Souvent oublié de la musique d'Asie, du Sud-Est, d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ou encore du Moyen-Orient. Ça c'est Les Abranis, Chenar le blues du rock psyché algérien, redécouvert par ce label Sublime Frequencies. Oui, c'est son nom, Fréquence Sublime, un label fondé en 2003 par deux copains, l'américain Alan Bishop et le libyen Hisham Mayet, deux grands voyageurs qui ont une formation dans tout plein, qui sont surtout deux grands mélomanes. Ils sillonnent le monde à la recherche de bons sons depuis la fin de leur adolescence et ont tous les deux l'habitude de rapporter de leur périple de la vidéo et du son, des field recordings comme on dit en anglais. Alors un beau jour, ils ont décidé de fonder ensemble leur label pour partager leurs trouvailles et leurs enregistrements avec le reste du monde. Un extrait d'une de leurs premières sorties, une compilation de chansons des 60s en provenance de l'île de Sumatra en Indonésie. Oui, c'est très précis à chaque fois. Des compiles de musique populaire oubliée, donc, mais Sublime Frequencies sort aussi des documentaires et des enregistrements de terrain, on l'a dit, sans oublier la réédition d'albums entiers, d'albums oubliés, comme celui d'un certain musicien syrien qui a été repéré par le label dès 2004. Sublime Frequencies, la seule star d'ailleurs, puisqu'en général le label diffuse assez peu, hein, les tirages sont limités. Les deux fondateurs et sillonnent le monde pour en ramener de la musique. Leurs nombreuses sorties sont à écouter sur Bandcamp et à acheter sur leur site en vinyle ou en digital.